Bah. Salut Letty. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Bon alors, ça buzz? Encore aujourd'hui, il paraît que ça buzz, ouais. Bon, c'est cool. Bref, avant, quand je voulais aller voir un film, j'allais au cinéma. Mais il y avait du monde et ça coûtait de l'argent. Ou alors j'allais louer un DVD, mais c'était loin et ça coûtait de l'argent. En plus, parfois, c'était vraiment pourri. Pour mater des séries, je pouvais taper dans ma collection perso, mais elle était vieille de 10 ans et donc je les avais vues 10 fois. Et puis un jour, mon pote m'a dit: franchement, tu t'emmerdes. Va sur Mega Upload. Cette phrase, elle a changé ma vie. Je peux arrêter de regarder des films de merde en cours de route. Je regarde les épisodes 2 jours après leur sortie aux États-Unis et 3 ans avant celle en France. Je peux entendre parler d'une série le vendredi soir. Tu connais la série Community ? Et l'avoir fini pour le lundi matin. Eh, hey, super Community, hein. La saison 3 top. Je connais par cœur les initiales de chaque série et connais mieux les programmes de CBS, Showtime ou HBO que TF1, M6 ou France 2. J'ai appris à faire des siestes de 54 minutes toutes les 72 minutes. Je sais comment gagner beaucoup d'argent et une Lamborghini sans bouger de chez moi. J'ai été au moins 1 million de fois le millionième visiteur, gagné au moins 4 iPhone 4 et 2 iPad 2. J'ai attendu 45 secondes. Trop souvent. Du coup, mon pote m'a dit: franchement, tu t'emmerdes pour rien, prends un compte premium. J'ai hésité, car ça coûtait de l'argent. J'ai vu qu'il pouvait télécharger comme un porc. Ça m'a convaincu. Je suis allé sur le site de Mega Upload pour prendre un compte premium. J'avais le choix entre 1 mois, 3 mois ou avis. Je me suis dit que quitte à claquer de la thune, autant prendre avis. J'ai cliqué sur avis. Connu Mega Upload, une vaste opération contre ses fondateurs, accusés de piratage, arrestation en Nouvelle-Zélande, fermeture du site. C'est un coup de tonnerre dans le monde de l'internet. Non! Bref, Mega Upload a fermé. Et on s'est dit que les parodies bref ne marcheraient sûrement plus, à part si c'était avec un sujet d'actu. Je me trompe ? Non. Bref, même si on a fait cette vidéo quand même pour qu'elle soit vue, évidemment, le fait qu'elle soit vue par 700 000 personnes au bout de 24 heures, ça nous a fait un peu bizarre. Ouais. Ça a été beaucoup relayé et on était très contents, mais en même temps, c'est tout nouveau, quoi. Donc nous, on découvre, on débarque, on ne sait pas du tout comment gérer ça. En plus, on gère ça comme des pieds, on peut le dire, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder le nombre de vues toutes les 3 heures en se disant: ah, ça a encore changé. Bref. Si on a besoin d'une jolie brune, on te fera appel à toi. Il en profite pour draguer Laetitia, lui.